Ça va, mon père? On nous a pas trop brassés. Ça va. Ça va. Je peux savoir ce qui se passe. Je suis l'inspecteur Poirier, police fédérale. Et ça, sont les membres de mon équipe. Si on est ici aujourd'hui, c'est pour obtenir des informations pour compléter un dossier sur un de vos paroissiens. Vous m'avez kidnappé pour me poser des questions? Kidnappé, c'est un peu fort comme mot. Je vous rappelle que on fait partie des bons gars. Problème visuel. Ah! Parfait. Tony Scorpola, ça vous dit quelque chose? Ah mon Dieu, oui! C'est un paroissien qui s'implique beaucoup dans notre communauté, vous savez. Pour s'impliquer, hein? S'implique dans la prostitution juvénile et autres, le trafic d'armes, le trafic de drogue, le trafic d'humains, sans compter toutes les meurtres dans lesquels il est impliqué pour faire marcher sa business. Écoutez, je crois que vous faites erreur. Monsieur Scorpola est un bon paroissien avec de bonnes valeurs et une bonne morale. Une fois par semaine, il vient confesser ses péchés, vous savez. On le sait. Tous les mercredis soirs à 10h, il vient se faire confesser pour obtenir votre pardon. Ah, mais ce n'est pas à moi qu'il demande pardon, vous savez. C'est à Dieu. Peu importe. Il doit certainement vous raconter des choses intéressantes, pour ne pas dire compromettantes. Oh, monsieur Scorpola ne m'a jamais parlé des choses dont vous l'incriminez. Non, je vous assure, je suis convaincu que vous faites erreur sur sa personne. Si vous voulez, je parle lui. Assoyez-vous. On est justement ici pour parler à votre monsieur Scorpola. D'ailleurs, il est sur le point d'arriver. Alors, comment ça avance? Je m'informe tout de suite. Tout est prêt dans le confessionnal. Manque juste un peu de retouche de maquillage. C'est ton récepteur? Puis ton microphone est en fonction. On a juste installé ton modulateur de voix. Hey, eux autres là-bas, là, ils m'entendent avec la bonne voix, là? On t'entend très bien. Et le timbre de ta voix est parfait. Mais comment? On est venu enregistrer votre prestation dimanche dernier. Les techs veulent savoir si on a encore besoin d'eux. C'est bon, on n'a plus besoin de vos services. Il y a un véhicule qui arrive. C'est sûrement notre mono. OK, showtime tout le monde. Scorpola se dirige vers le confessionnal. Bonsoir, mon père. Bonsoir. On a un problème, le chauffeur de Scorpola s'en va. Shit! C'est beau, le chauffeur était chalé qui a été une cigarette, là. C'est correct. Bon, où est-ce qu'on en est rendu avec ça? Ah oui, comme d'habitude, mon père, je vais laisser l'argent et la mallette dans le fond du confessionnal ici. Mais je vous avise que pour la prochaine livraison des stocks,
va falloir changer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ça ne pourra pas se faire là où vous vouliez que ça puisse se faire. C'est fini. Procède mon père, qui donc voulez-vous que je puisse collecter? Mon père! Mon père! Mon père! Fuck! Toi qui as amené la police jusqu'ici, maudit Carl! Non, je savais pas, mais je savais pas, non! Tu savais pas, tu savais pas. Ben, ni moi non plus. Je l'ai appris ce soir. Une chance que Gino était là pour me sortir de ce merdier! Gino? Oui, Gino. Gino, il n'y a pas eu de chance. Il est parti pour un autre monde, puis j'espère que c'est en enfer! Non. Oui, et puis tu vas y aller toi aussi à la même place. Il n'est pas question que j'aille au pénitencier à cause de toi puis ta gagne. Puis tu dois subir les conséquences de tes gestes. Centrale, c'est Poirier. Oui, c'est Centrale. Envoyez-nous une coupe d'ambulance. C'est l'enfer.